Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Affaire Maya Bio est la tontine de beaucoup de millions. Edwige de Milan donne son avis, donne son point de vue et donne quelques détails sur cette histoire. Et comment cela s'est empiré et pourquoi ils n'ont pas voulu vite porter plainte. Et écoutons Edwige C'est quand vous partez lui donner de vos millions. Donc, ils se sont sentis un peu bêtes, de façon. Donc, c'est comme ça que, voici ce que Maya Bio va faire. Elle, maintenant, elle a pris quatrième personne. Tout le monde a cotisé. Donc, ça fait quatre personnes qui ont cotisé. Eux, tous ont cotisé. Quand eux, ils appellent Maya Bio ne décroche plus. Quand ils veulent la parler de ça, elle les met à gauche, elle les met à droite. Pourtant, chacun d'eux, là, par leur un bras même qu'ils faisaient, ils étaient déjà 4 millions qu'ils ont cotisé chacun. Sans compter que d'autres avaient deux bras dedans. Sans compter que d'autres avaient trois bras dedans. Donc imagine, tu as trois bras, tu cotises dans une tontine où tu as déjà payé 4, tu as trois bras, tu as déjà payé 3 millions 4 fois. Et tu appelles la personne de la tontine, la personne ne décroche plus ton appel. La personne ne décroche plus. Elle avait fait une première tontine de ce genre. Ils l'ont convoquée à la police. Elle est partie, elle a expliqué. Ils se sont dit que c'est une tontine, c'est un truc qui est civil, tant ça va rester entre eux. Ils ont demandé pardon, pardon aux gens. Les gens ont retiré les plaintes et les rentrées. Mais cette fois-ci, c'est plus complexe. Parce que la première personne qui est censée être son collaborateur est introuvable et inconnue. La question qui se pose, c'est Maya Bio elle-même, pour arnaquer et escroquer les gens, elle a mis ça en place. Parce que tous ceux qui sont dans la tontine ont fait leur recherche et ce collaborateur-là n'a jamais existé. C'est pour ça que les gens disent que Maya Bio, c'est une menteuse. C'est pour ça que on dit que c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Parce que toi-même qui es membre de tontine, tu dis que la personne c'est son collaborateur, donc tu dois connaître la personne, tu dois savoir c'est qui. Si c'est ton collaborateur que tu travailles avec lui, c'est que tu l'as déjà vu, tu as ses photos et tout, tu as truc. Mais vends-moi. La personne n'existe pas en fait. Moi, je n'arrive pas à apporter la preuve pour dire que la personne existe réellement. La personne n'existe pas. Mais elle dit que, genre, c'est comme si c'est que le numéro, elle est là. Pourtant, c'est son collaborateur. Tu lui as donné l'argent comment? Tu lui as donné l'argent où? Tu l'as vu où? Comment ça s'est fait la transaction? Parce que c'est beaucoup de millions. Les autres, ils ne savaient pas. C'est après que, dans ces explications, qu'ils ont dit que la personne a pris les trois premiers. Sinon, eux, ils ne savaient pas, en fait. Et ils avaient confiance en Maya Bio. Parce qu'elle s'était portée garant, en fait. Elle est partie prendre Doumba, maison là-même, là. On dirait que elle n'est plus dedans. D'après ce que j'aurais appris ça là, à ce moment, je dois vérifier. Je ne suis pas sûre. Il paraît qu'elle n'est plus dans la grande maison qu'elle a pris pour dire qu'elle va faire tant de temps là. Il paraît que la maison là, elle n'a pas pu. Ah, c'est dans l'an déjà, elle est en train de faire tout ça là. Décoration, construction, aménagement, les meubles, tout ça là. Tout ça, c'est l'argent des gens. Opération, chirurgie, tout ça là. Vous pensez qu'en collaboration à budget, c'est combien? Si c'est trop, c'est 500 000. Si c'est trop. Sinon, c'est 100 000. Même les postes que les gens font, c'est 10 000. Si tu fais un poste sur page de quelqu'un, c'est 10 000, 15 000. Cette collaboration où la personne va être en Égérie, là, ça monte un peu plus. Mais quand ça monte un peu plus, ça, c'est 5 000, c'est 500 000. Deux fois, elles font film. Elles font croire qu'elles donnent 2 millions, 3 millions, c'est faux. Peut-être ça dépend de la date alors. Si la personne a pris 1 million, c'est que la personne n'a pas fait la publicité là longtemps en fait. C'est que à chaque fois que la personne a besoin de toi, tu es présente. Sinon, ce n'est pas des grosses sommes. Même pour faire pub à la télé, ce n'est pas cher. Même pour aller sur le grand boulevard des Américains, pour mettre son affiche là-bas, ce n'est pas cher.